الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحبتي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Et puis, vous, mes frères, qui trouvez un plaisir à regarder ces femmes, minues, mais vêtues, qu'on voit aujourd'hui partout autour de nous. Mais qu'est-ce qui t'attire en ces femmes? Et Samhouni, ce n'est pas pour être méchant. On va piquer un peu, mais ce n'est pas pour être méchant. Qu'est-ce qui t'attire envers ces femmes? Celle qui s'exhibe, celle qui est minue, mais vêtue. Elle est habillée sans être habillée. Surtout en été, tu vois, des choses très choquantes. Elles sont habillées d'une manière épouvantable, sans compter le brushing. Et en plus de ça, quand tu, yani, tu fais passer au scanner ces types de femmes, c'est que du faux. Ça se trouve, c'est une perruque, faux ongles, fossiles, des lentilles, le maquillage du chantier. Celle-là, tu la connais, le maquillage du chantier. Voilà, maquillage du chantier, deux couches d'enduit, une couche de peinture, lessivage, grattage, ponçage. C'est vrai ou pas? Tu la vois, elle a le visage orange. C'est pas de la peinture, elle a le visage orange. T'as envie de lui dire, s'il te plaît, enlève le masque d'Halloween, tu fais peur aux enfants. Pourquoi? C'est exagéré, c'est pas du maquillage, Yahri. C'est pas ça la vraie beauté, mes frères. Tout ça, c'est du faux. Tout ça, c'est du faux. Ça se trouve, elle enlève son dentier, Dracula. Et toi, ma sœur, qui mets 2h30 à te préparer le matin en te disant, combien je vais en faire tomber aujourd'hui? Faut que je batte mon record de mec. Crains Allah, ma sœur. Et sache qu'il te sera inscrit un péché pour chaque regard qu'un homme portera sur chaque détail de ton corps. Et crois-moi, la facture peut être vite très salée. Très salée. Ma sœur, l'islam n'est pas là pour t'emprisonner, mais pour te préserver. Ma sœur, aux yeux de notre religion, tu es un bijou qui doit être couvert, protégé et estimé à sa juste valeur. Pas un objet qui ne vaut rien et duquel tout le monde peut profiter comme bon lui semble. Tu es ce bijou qu'on préserve pour te remettre à ton mari sans qu'aucun homme ne t'ait touché. Ma sœur, je te jure par Allah que je ne veux rien d'autre. Ma sœur, je te jure par Allah que je ne veux rien d'autre que ton bien.